faire ça. Là, maintenant, c'est normal. Le raccourci du tableau mystère, parfaitement, mon cher Twinsen, mais vous ne verrez pas, je peux pas fauter. Bonjour, Tomouf, j'ai pas vu ton arrivée, alors que je suis en faute technique, on va dire. Encore merci à Boson. Oui, on n'entend rien. Oui, ça y est, c'est bon. Ouais, non, mais pardon. J'ai merdé, j'avoue honteusement j'ai merdé. Comme j'ai refait ma config la semaine qui vient de s'écrouler là, enfin de s'écrouler, de se passer. Alors j'ai un gain de performance, je suis ravi. Mais vous voyez, j'ai encore des trucs à peaufiner, je viens de me faire avoir au niveau du son. Je savais pas que je m'enregistrais pas, mais je viens de comprendre mon erreur, donc c'est bien. Allez, on va faire mes muses. Ça y est, je peux vous lire dans le chat. Ah, ce pluning de Winamp. Twinsen, reviens après, on va faire le jeu avec FunFan de 15h à 18h, et après il va me rendre l'antenne tout à l'heure, pour faire les bibis, on fera les bibis sur mon antenne. Ah oui, mais, ah si, je pense qu'on le verra, je crois que je l'ai mis dans la scène bibis. Mais oui, Twinsen, merci à toi. Pas maintenant, mais soit ce soir et soit demain, je vous donnerai les détails de comment j'ai procédé pour mettre en place ce truc. Mais un grand merci à toi, tu es une scène. Effectivement, je me sers de ton greffon Winamp, qui est génial. C'est ce qui m'a inspiré, le fait de changer le nom en dynamique. J'ai pu la saisir en haut dans ma barre de... J'arrête de parler après et je joue, hein, promis. Mais c'est ce qu'on voit, le jeu que j'annonce dans ma barre en haut, tu vois, Sonic & Knuckles, je ne l'ai jamais saisi. En fait, j'ai fait le lien de manière dynamique, de la même manière que le greffon Winamp, il va chercher dans un fichier quelle catégorie j'ai déclaré sur Twitch. 100% confort. Voilà, mode automatique, j'ai plus de saisie à faire. C'est un régal. Je vous donnerai les détails techniques tout à l'heure. Allez, là on va faire Mumuse. Je bois un coup, je vous lis, car là je vois encore Winamp. Oui, alors je l'ai peut-être laissé encore dans l'habillage, mais... oui, alors je suis en 4 tiers, et en 4 tiers, j'ai envie de garder mon Winamp. Mais la scène 16/9, il y a le greffon que tu m'as trouvé. Normalement, on le verra tout à l'heure, ou je le rajouterai tout à l'heure, dans les bibis, on verra le greffon. Et il y a une autre scène, la pleine face caméra, on le voit. Allez, je te le montre très rapidement. Histoire de te convaincre que je ne raconte pas de bobards. Si je fais comme ça. Pourquoi c'est pas la bonne scène? Bah, webcam. Attends, c'est quoi ce délire? Là, j'ai clic. Ah, j'ai un truc qui s'affiche, qui devrait pas s'afficher. Attendez. Ah, c'est le Elgato que j'ai mis en tout premier. Non, il faut que je le mette à l'arrière. Voilà. Il faut que je le cache à l'arrière. Donc là, c'est bon. Donc, voilà, vous voyez ma tronche, machin. Et en fait, là où il y a mon curseur, enfin, là où il y a mon chapeau, si je mets la musique, regardez. Tadam ! Le greffon Winamp, il y a tout doucement des fils, le nom et le titre de l'œuvre. On le verra donc à la scène 16/9 et les bibis ce soir. Voilà, donc ça marche très bien. Merci mon cher Twinsen. Allez, zou. Bon, quand je dis que je vais jouer, je vais m'y mettre. Ah, faut que j'arrête d'être mensonger, moi. Une promesse est une promesse. Allez, go. Oui, tout doucement. Parce que faut pas non plus que ce soit, tu sais, une agression, un peu comme les chaînes d'information continue, où t'as le truc qui défile, moi ça me fatigue. Je sais pas vous, mais moi ça me fatigue. De voir les bandeaux en bas d'écran, en fond. Et tout doux, ça passe mieux. C'est moins malaisant, enfin malaisant n'est pas le bon terme, mais c'est moins gerbotron. La police n'est pas très lisible. J'améliorerai avec le temps, Twinsen, t'inquiète pas. Mais le principe est déjà là. Mais merci de ta remarque. Allez, zou, joujou. Oh mon dieu, je sais plus. Il faut que je reprenne mes repères. Attends, je rêve ou ce n'est pas en arrière? Bah, j'ai un problème de... j'ai un problème de calibrage. Bah. Ah non. Ah non, c'est Sonic qui est comme ça. Bon d'accord. Là, il est chamaillé.
Oui, alors, pendant mon blanc de 5 minutes, parce que j'avais pas vu que je parlais dans le vide, merci encore Twinsen pour le documentaire que tu m'as passé sur Sonic. Merde, je pensais pas me faire cramer. Et j'ai fini par le voir. Ça y est, j'ai regardé un petit morceau. Mais j'ai fini par voir la fin. Je crois que c'était hier, je sais plus quoi. Dans la journée. Et oh là là, j'ai appris plein de choses. Le mec qui a publié sur sa chaîne YouTube, je sais plus son nom. Mais je vous publierai dans mon Discord, ça vaut vraiment le coup. Je lui ferai de la pub, j'irai m'abonner chez lui, je lui ferai un petit mot parce qu'il a fait un excellent boulot. Et le Sonic et Knuckles là qu'on est en train de faire, qui est normalement en fait dans les projets de Sega, le Sonic deuxième partie, si on croit deuxième partie, finalement. Je savais pas, mais j'avais la chance de l'avoir adolescent, le Sonic et Knuckles. Alors pas le Sonic 3 justement parce qu'il coûtait trop cher à l'époque, il avait rappelé que ça coûtait 550 francs, une fortune à l'époque. C'est pour ça que je l'ai pas eu dans ma bibliothèque, c'était trop cher pour mes parents. Et pour moi, j'avais pas l'argent de poche. Et en plus la presse française l'avait flingué le Sonic 3, alors que le reste du monde était dithyrambique sur le troisième opus. Et ben j'ai découvert que dans Sonic et Knuckles, dans le documentaire, il y avait une vraie fin que j'ai jamais déverrouillée. Alors que, avant d'avoir vu le documentaire, je me serais vanté d'avoir fini Sonic et Knuckles au moins 10-15 fois, comme j'avais eu la chance d'avoir le jeu à deux. Et ben non, j'ai pas fini Sonic et Knuckles, parce que j'ai jamais déverrouillé la vraie fin. En fait, Sonic devient Super Sonic, je sais pas quoi, et... Oh, la scène vraie finale, elle est hallucinante. Ça m'a fait une révélation hier quand j'ai vu ça. J'étais bouche bée devant mon écran en disant mais c'est pas vrai, je suis passé à côté de ça moi. Et bah du coup ça me fait presque un challenge quand je suis là. Bon là je vous jure que en normal ça me prend la tête. Mais je serais amené à essayer de dégoter la vraie fin de Sonic et Knuckles. Celle que j'ai jamais connue parce que... Ah j'étais sidéré. Ah merde, le son du jeu est un peu fort par rapport à ma voix. Merci pour l'info. Attends, je vais régler ça dans mes molettes de contrôle. Je vais peut-être faire ça au niveau de l'OBS. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Ouais, là j'ai dû un peu baisser le... Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir baissé ça. Je suis pas sûr. Là, je parle normalement. Est-ce que j'ai une influence? Oui, complètement. Non, faut pas que je touche à ça. Il faut que je... Alors, le son. Ah, ou alors, je vais faire carrément par le contrôleur de son Windows. Je vais pas me faire suer. Je vais jouer sur le mélangeur de volume et je vais dire que la Genesis... Voilà, je descends de 33 à 25%. Le pire, c'est qu'elle hurle plus en temps normal. Ça fait peur, ayez peur. Hop, voilà, je remets le chat que je puisse vous lire. Et là, normalement, ça devrait être plus équilibré. Voilà, merci Boson une nouvelle fois. Merde. Ah, faute de débutant. Pas grave. De toute façon, j'ai 19 vies. C'est complètement craqué. Excellent. Oula. Ah! Eh ben, je suis bien content d'avoir la tribu. Comment ça? Non, je peux pas casser ça! Bah. Attends, il faut que j'aille vraiment en face? Ah oui, quel idiot! Ah oui, c'est bien pensé ça. J'ai oublié.
Ah! Oh. Ah ah, 20 vies. Ah, énorme. Je le mets bien en évidence. 20 vies. Ouais. Je crois que j'ai... C'est enfin bref. C'est n'importe. C'est n'importe quoi. Sauvegarde. Bah oui, tu me diras, symboliquement je peux. Alors attends, que je fasse pas de bêtises, il faut que je fasse... Attends, comme ça ou comme ça? Comment je fais pour la sauvegarde? Il faut que je quitte ça, ouais, et que je sauvegarde comme ça. Ouais. Bah voilà, c'est fait. J'ai sauvegardé. Wow, m'a fait peur le... Oh, 21 vies. C'est n'importe quoi. Oh, joli. Pendant une demi-seconde, je suis fait pour un speedrunner. C'était vachement bien imaginé à l'époque. Je surkiffais cette technique. Oh oh, j'ai pas pris la bonne protection. Oh, il y a un truc caché. Mais je préférais la protection. Ah, il y avait peut-être quelque chose en face, non? Bah attends, je peux y aller avec mon mouvement, hein? Non? Non, c'est pas grave. Il n'y a rien de façon. Ça c'est vrai. Ouais, non, il y a rien. Là, il y avait... Oh! Oh! Hey! Ouais, depuis quand il passe en dessous du truc? Enfin, à travers le truc. C'est scandaleux, alors là maintenant je suis à poil. Oui, je veux bien niveau bonus. Niveau bonus! Mon favori. J'adore la musique. Oh oui, il faut que je reste avec le feu. Je pète le feu. Ça. Oh merde. Ah non. Oh non. Mais je vais rien faire moi de la bulle. Je suis dans le monde opposé là. Il fait chaud, pas froid. Enfin voilà quoi. Tiens, voilà, bien fait. Allez, hop. Non, je veux de la protection. Ah oui, 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 merci. Voilà, exactement. Eh, chiche, j'essaie d'avoir de son anneau. Il y a un jeu dans le jeu, c'est ça qui est beau. Oh, arène de boss? Ah non. Oh, oh, ah, je me suis fait peur. Oh, j'ai vu des... Ah, trop tard. Le con. Le pire c'est que je les ai vus mais j'ai pas maîtrisé. Ah bon bah j'aurais pas 200 anneaux. Hein. Alors le côté cool des choses. Voilà. Je veux tous les anneaux. Bon allez. J'en aurai deux. C'est pas tout, il faut que j'avance, c'est un chronomètre. Il est pressé, monsieur Sonic. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire. Oh, ah, pendant un instant, j'ai cru que je pouvais rentrer dans le mur. Mais c'était la partie supérieure. Voilà, attends.
il faut que je me projette depuis le mur opposé. Non, s'il n'y a rien, j'ai rêvé. Ah! Le stress! Ah! Crash sur mon tour. Hop. Aouh! Bah, je l'ai pas vu venir. Et hop, hop, hop. J'ai fait des anneaux. Wow! Y'a pas de. Non, y'a pas de. Eh! Hey, c'est dégueulasse! La petite pointe de lave, je me la suis dégustée. Je suis passé au mauvais moment. Je l'ai dans les dents. Je suis toujours au même endroit. Je suis en train de perdre toute ma vie. La musique est extra. Oh, ça se repousse pas. Ah, mais c'est un piège. Je peux plus revenir. Ah, je suis obligé de me recoltiner en fait le passage. C'est le prix de la vie en fait. Oh, c'est bien pensé de la part des concepteurs, mais j'ai rien au moins. Waouh, j'ai chaud. J'ai chaud. Ah, non, c'est pas le même passage. Non, je progresse. Ah merde! Ah, l'anneau il est au-dessus, mais je peux pas l'avoir. Ah, il aurait fallu que j'ai un pouvoir de. Ah, c'est dégueulasse. Eh ben, je l'aurais pas. Il peut pas faire un double saut, non, c'est pas. Ou alors c'est un anneau, mais pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui s'accroche au mur. C'est la fin du jeu. Et oui, je tombe en haut. Bah, je suis revenu au. Ah oui, je suis revenu au point de départ. Bah, merde alors. Bon, j'évite l'ennemi parce qu'il me fait. Ah merde, il revient. Vache, c'est vicieux. Mais je suis piégé. Il y a un truc que j'ai pas compris. Je reviens en arrière, c'est pas possible. Attends, mais c'est du délire. Mais... Oh, pilote qui est revenu. Oh. Mais ils reviennent 10 millions de fois. Attends, là, je vais être en retard, là, parce que j'ai pas compris le truc. Oui, mais de toute façon, ça... Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'aurais jamais dû tomber dans le trou, c'est ça? Ouais, je vais me faire voir par le tout. Ah, je piche plus.
Il y a une entourloupe que j'ai pas capté. Ça j'avais pas vu. Ça c'est nouveau. Ah, sympa. Hey, time over, je suis hors délai. Oui, j'allais dire, heureusement que ça a été déchargé de la mémoire, la boule de feu, parce que j'étais censé me la manger. Là. J'aurais pas dû me replacer sur le ressort. Ah bah, autant récupérer une vie gratos. Ah, c'est généreux de la part des concepteurs. Hop là. Je fais ça. Mon jeu de tout à l'heure se termine en 7 minutes environ. Ah oui, le speedrun. C'est là qu'il y a un truc que j'ai pas dû capter. Mais quoi? Merde, je suis mal collé, j'ai envie de faire un slash. Ah oui, là je progresse. Enfin, je crois. Ah, j'adore cette scène. Je me répète. Je vais pas prendre le risque de redescendre parce que. Merde! Oh, je suis mort. Oh, je suis dead. En fait, je croyais que le rond qu'on a vu gris donne 10 anneaux, mais je croyais qu'il avait la propriété supplémentaire. Ça fait plaisir. Je croyais qu'il avait la propriété supplémentaire de d'être rebondissant. Bah, c'est quoi, j'ai mis une rond. Ah, mon dieu, quelle horreur, j'avais oublié l'existence de ce truc. Ah, il faut lui péter la patte et les jetons. Ah bah voilà, déjà il y a un truc en moi. Et bah quand j'étais plus jeune, j'arrivais à frapper deux fois. Voilà! Il ne reste plus que la main déjà, je me sens beaucoup mieux. Ah, c'est solide les machines du docteur Botique. Docteur Robotique Botique.
Merde, bah là je me suis loupé. Ah oui, t'es obligé de ressortir ta main. Aïe 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 aïe. Le coup a été refusé. Bah, à l'usure, je voudrais bien pas l'avoir. Heureusement que j'ai réinitié les îles chronomètres. Hein. Si je serais arrivé là avec les 8 minutes, je vous dis pas, mais... Ah. Acte 1 terminé. On peut le dire, c'est chaud. Oh, je bois un coup. J'ai soif. J'ai soif. Ah mon dieu, la lave a refroidi. C'est tout glacé. Pas l'eau, surtout pas l'eau. Je reste en flamme. Merde. Allez, go. Oh. Alors, nous avons des pièges partout. Waouh. Pas mal. Je me suis dit plus de ça. Allez, petit niveau bonus. Alors, ça, c'est quoi? Ah, c'est la machine à foire. Allez. Une vie, une vie, une vie. Je veux la boule rose, la boule rose. Et il peut arriver qu'il n'y ait pas de boule rose. Oh non. Mais non. Ah. Non. C'est dégueulasse. Oh bon, c'est pas comme si j'en avais 22. Ah. Mais là, je m'interroge. Waouh, waouh. Eh oui, fallait que je me fasse avoir. Non mais là, c'était gratiné quand même. Ils m'en ont coutillé 3 là, d'affilée, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et puis c'est pas comme si l'endroit était exigu. Oh merde, merde. Presque. Ah, j'aurais pu m'élancer. Allez, go. Voilà. Il a mis un truc. Comme de... Oh oui. Y'a rien de... Bah, j'allais abuser. Oh. J'ai bien fait de faire le côté opposé. Ah. Oh le con. J'ai merdé.
Et bah ce fut... bref. J'ai complètement merdé. J'ai donné un coup dans la molette, il fallait pas. J'étais tellement surpris de l'effet symétrie du passage secret que j'ai fait n'importe. Voilà, ça c'est fait. Wow. Attends, je me méfie d'être propulsé de manière aussi... Oh, c'est beau. Oh, ah oui, j'allais dire, fallait peut-être pas y aller. Ma curiosité a été punie. Ou pas. Ou pas. Ah. Là, je me lance avant même qu'il y ait la musique. Hein. Et là, je suis couillonné. Parce que c'est le truc à pas faire. Bon, je suis bon. J'ai pas perdu, si. Je suis revenu à mon point de départ, bordeloum. C'est quoi cette escroquerie? Oh là, l'ambiance, elle est extra. Ah merde, je suis parti à l'envers. Re, Christella. Je l'ai vu venir. J'ai pas eu le réflexe de m'arrêter au bon moment. Top vitesse. C'est pas comme si c'était le display de Sonic. Mais je comprends pas, je suis dans le sens. Ah ouais. Ah bah là j'ai plus de bonus avec mes âneries. Ah, je crois que c'est la scène où Knuckle découvre que le docteur Boutique l'a trahi. Je crois que c'est la scène culte de l'épisode. Qui est bon. Ouh, c'est chaud. C'est trop chaud. Merde. Ah, j'avais la technique, mais je la maîtrise pas. J'avais la technique, mais je la maîtrise pas. Ah, il reste trop longtemps, roulade. C'est agaçant. Ouais. Non. Mais non! Faut faire une double action! Ah! Je vais me faire avoir par le coin. Voilà. Faut bouton et flèche sans s'opposer de la course à Sonic. C'est terrible quand même. Ah! La tragédie va avoir lieu. C'est l'instant drama. Avec un fort parfum de scénarium. Ah, on voit la machine de Knuckle qui est encastrée dans le sol. Regardez au plafond. C'est son œuf de la mort. Le docteur Boutique. Recousin. Ça t'arrive au moment clé du scénario. À mon dieu! Oh! Ah, il a réchauffé l'atmosphère. Ah merde, mais c'est un boss, il m'attaque le saloperie. Ah! Me souvenez pas que ça marchait comme ça. Oh là là. Cours, Forest, cours. Oh my god. Ah oui. Non. Oh. Attendez, j'ai entendu un bruit suspect. J'ai pas aimé... Je sais pas si vous avez entendu quelque chose, mais...
j'ai pas aimé le bruit que j'ai entendu. C'est un truc là, j'ai entendu un jbon. J'espère qu'il n'y a pas eu un accident de chez moi. Ah, le fait d'avoir les flammes, c'est un... Ah oui, d'accord, il s'aborde lui-même en fait, c'est une question d'endurance. Il s'est abruti et en train de se saucer lui-même. Sur la... En fait, le bonus de la protection de plus, c'est complètement la lave. Donc c'est tout bénef, je suis tranquille. Voilà. Qu'est-ce que j'ai entendu? Voilà, il y a des bruits parfois dans mon quartier, je flippe. Donc je pense que la prochaine, c'est la bonne, là, avec ses mines et la lueur. C'est un boss plutôt simple là, ils sont gentils. Hein. Ils sont gentils. Hein. Plus coriace que je ne pensais son robot à Docteur Boutique. Il a fait résistant à la lave. Je crois que le pépin est passé. Et c'était bizarre. Attends, jette un coup d'œil par acquis de conscience à mon chéri. Niveau du téléphone. 9-18, comment ça? Oui, mais le temps s'est arrêté. J'ai stoppé le docteur Boutique dans sa course infâme. Le palace caché. Alors. Je crois que c'est ce niveau qu'ils voulaient mettre à la base plutôt dans Sonic 3. Ils n'ont pas eu le temps de l'implémenter, je crois. Ou c'était une autre version de ce niveau magnifique. Ah, le sanctuaire céleste. C'est beau. Ah merde, il me manque un anneau pour avoir le truc bonus. Ah, tant pis. Aïe! Il m'a foutu un pain dans la tronche. Mais je suis de ton côté, idiot! Aïe! Voilà, je l'ai fait bobo. Allez, fini le duel, va te changer de mon côté, là. Allez, qu'est-ce qu'il me fait? Ah merde, il m'a boxé. Il m'a boxé. Est-ce que j'ai le droit à des anneaux planqués? Je ne crois pas. Je sais pas où. Le duel. Sonic contre Knuckles. Ah, il est plus coriace que je ne pensais, Knuckles. Allez, on a le temps d'être en duel, là, on a 10 minutes entre nous. Le temps que le docteur Boutique se remette de ses émotions. Allez, bang. Viens par ici que je te... boxe. Comme toi. Viens. Non, vilain Knuckle. Ça va te calmer. Tu vas finir par comprendre que ce n'était pas contre toi. Eh, c'est beau ce qu'il y a au-dessus. C'est magnifique la mosaïque là. Ben, je pense que vous avez plus le temps de l'admirer que moi.
Voilà la scène mythique du jeu. Il se rend compte de l'escroquerie du docteur Boutique. Et voilà, Knuckle tient le jeu. Bon, reprends tes esprits et faites-nous la porte. Merci de nous ouvrir les accès. Voilà. Direction le sanctuaire céleste. Magnifique. Youhou! Pendant ce temps, le docteur Boutique redécolle. Attends, je sais pas, faut que je fasse quoi? Ah, fallait qu'il reprenne ses esprits. D'accord. Merci, Knuckle. Complètement mégalomane quoi, il fait des robots à son effigie. Hop 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 hop, le laser m'a bien eu. Je m'attendais à avoir la barre en fait. Je me souvenais plus des tournevis. Oui, les nuages là sont spéciaux, c'est vrai. Ah, c'est une arène de boss. Oh non! L'infâme... le robot qui remplace son maître. Évidemment, je ne me place pas le robot. Aïe, 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 je me fais embanguer. Je suis mort. En fait, dans la brise. Oh, je recommence. Et là, vous allez voir mon niveau, mes vies qui vont dégringoler. J'ai dit mon niveau de vie. C'est un peu ça. Oh, je pensais retourner sur le ressort. Pas avoir peur de se lancer comme un... Ah oui, j'ai le droit d'aller à la suite. Mince, j'ai loupé le téléporteur. Téléportation! Oh! Il m'a fait peur. Je me suis laissé surprendre. Bah tant pis pour la barre de gym. Ah, il y a quelque chose. Je m'y risque. Intelligente la transition d'un morceau de palais à l'autre. Oh, j'avais pas vu le nuage. La flippe est totale. Ah, je me disais bien qu'il y avait un. J'avais vu des pics quelque part. Encore un boss? Ah non, c'est. Ah ouais, mais non, mais on se coupe tous les boss parce qu'en fait c'est un. C'est une parodie de. Oh là là, il recycle les vieux boss. Le salopard. Merde.
fait avoir par la boule. Ah bah tiens, je vais frapper en même temps. Bien fait. Voilà. Allez, on prend un peu plus. Suite, s'il vous plaît. Suite. En même temps, c'est pas idiot de la part de... Sega. Je cherche plus le nom. Parce que je me disais en même temps, là. Bon, bon, voilà, ça fait du bien de rencontrer ces vieux bouts de jeu. Ah oui. C'est con, là. Non! Salopards, ils ont mis des pics par, par en dessous, par au-dessus. Allez, allez, vas-y, j'ai vu que c'était un cabou. Voilà. Ah merde, je suis. Non, 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 je suis pas allé là où il fallait. Merde. Non, 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 faut que je revienne dans le. Dans la matrice, là. Ça va pas, mon histoire, j'ai fait une bêtise. Voilà. Le tourne-disque, le tourne-disque. Vache. On donne de la concentration. Et là, j'ai fait une bêtise. Voilà, j'aurais dû sauter sur cette morceau de, voilà, du sanctuaire volant. Enfin, céleste. La mode magique de Shinigami. Ouais. Merde! Très bien placé! Très très bien placé! Une horreur! Et là je suis à poil, j'ai plus de. Vous allez voir qu'ils vont me remettre l'ennemi et j'ai plus d'anneau. Voilà, donc j'ai peur. Merde! Doom! Ah! Un anneau! Je veux une assurance vie, les gars! Non, je l'ai dans l'anneau. Ah, merci. Je vais même laisser un ordi, on sait jamais. Si je me loupe encore une fois. Oui, il fallait que j'aille là. Le. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une dent sous. Merde, tant pis. Je la néglige. J'ai pas le luxe d'y aller là. Puis il y a le chrono aussi. Faut pas que je me fasse avoir. On est déjà à la mi-temps. Voilà. Le nuage. Et mon pire ennemi. Mais qui est mortel. Il est là. Salopard. Non. Ils l'ont placé au pixel près. Ils l'ont. J'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Emplacement stratégique de l'ennemi. Ah la vache, l'ennemi placé qui sert 2-3 fois quoi, j'hallucine. On reste calme, parce que là il va finir par me sortir par le premier celui-là. Voilà. Peut-être que je me laisse quelques anneaux du coup, parce que si je me loue. Oh! Oh! Eh ben maintenant, je saurai. Je saurai pour. Quoi? Bah, il est plus là. Ok. J'avance, c'est l'essentiel. Ah, c'est vicieux ça. Non, je pense pas qu'il faille aller dedans. Aïe! Quel est pas touché? Qu'est-ce qui se passe? Attends. De voir les animaux sortir en panique, je comprends plus. Oh! Ah. Oh mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, j'avais plus dispositif dans le mauvais sens. Je sens que c'est la fin. Ah non. Ah si. Oh, salopard! Il casse le téléporteur. C'est le duel.
Je la sens tellement pas ce boss que honteusement je vais sauvegarder. Je la sens pas du tout. Les infâmes robots de Dr. Boutique sont redoutables. Encore que j'avouerais que je le trouve plus gérable que le. Que sa version primaire dans le. À la fin du 2, je crois que c'était. Oui, finalement. Hop, il va se mettre à l'envers. Oh non, il s'est mis à l'endroit. Oh non, sans faute. Bon, j'appréhendais, mais sans faute. Il est quoi, cher côté. Il va mal finir d'ailleurs le robot parce que. Il va faire une chute. Pour peu qu'il y ait de la lave en bas ou l'océan, plus de robots. On berce le coup. Alors là, je vais en battre. Le truc de départ. Ouais. Comment ça marche ça? Oula. Ok. Non, j'en ai pas. Je préfère faire de la bulle parce qu'elle me rend folle. La bulle me rend la bulle. Merde, je vais te chuter dans le mur, c'est sûr. Mais je vais faire comme un beau et on commence. Allez. Oula, oula, oula. Ce qui va les faire. Hop, 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 je stresse. Oh, bah, merde, j'ai fait mon top. Ah, je peux pas me mettre en boule sur ce truc. Ah, 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 aïe, 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 aïe. Je veux pas être écouté. Quelle horreur. Youpi, j'ai un char d'assaut, le Sonic. Le pire c'est dans. Oh, j'ai peur. Ah, ah, j'ai plus peur. Il y a le char d'assaut Sonic qui existe dans Command & Conquer, je crois. Non, dans Dune. J'ai des bêtises, dans Dune. Mais qui fait du son en fait. C'est en référence à Dune. L'œuvre Dune, le. Le Miss. Enfin, le Miss.
symbole Atréide devient chez les Freemen, le peuple qui va vivre la tyrannie d'Arconen, devient, comment ils disent, un Mopai, je sais plus, c'est un langage imaginaire. Totalement imaginaire. Ah oui, il faut. C'est un interrupteur, c'est vrai. Merde, j'ai pas eu l'autre côté. Ah oui, propulse-moi de l'autre côté. Oh, il n'y a pas de bonus ici. Oh, et je me souviens plus qu'il y avait autant de bonus. Ah, je vais rester un peu dans le truc. C'est le noyau gravitationnel de l'œuf de la mort du docteur Boutique. C'est magique. Même Sonic il devient fou là, il sait plus quoi faire. Ça y est, j'ai ouvert les accès. Je peux aller me barrer. Accès jouable. Oh. Hop. Je l'ai hyper mal géré. Et ça va super mal se terminer mon histoire. Évidemment il va pas me donner d'anneau et la course. C'est Gerbotron votre truc là. Oh mon dieu. Oui, il fait l'ornier plein de menus, il y a plein de menus, je sais. Attends, je veux bien des orbites de merci. Voilà. Ah bah. Ah merde. Ah, c'est ballot. C'est très ballot. Je fais comment pour remonter, moi, du coup? Non! Mais j'aimerais être derrière le propulseur, à me mettre en boucle. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Je sens qu'il va me briser, lui. Voilà. Merci. Donc, je pense qu'il faille aller... Je sais pas. Je sais pas où je dois aller, en fait. Ah, faut que je recommence le dispositif, en fait. C'est bien, c'est bon, on va un peu une nouvelle fois. Allez, c'est parti. Oh. Oh oh. Oh mon dieu. Oh, ce boss. Trop malin. Trop merde. Ah oui, c'est vrai qu'il n'est pas son truc. Sa sphère d'influence, on peut le dire. Ah, mes anneaux. Merde. J'ai mal sauté dans le truc. Après, je sais plus ce qu'il fait. Il fait pas mal de trucs. Aïe. Ah, mon anneau. Non. Je suis dans la merde. Pardon. Je suis dans la mise. On se le dit. Et là, je perds. Non. Oh, le vol. Mais attention. Tout n'est pas fini. Il y a une deuxième phase. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh, c'est vicieux ça. Ah, ah. Faut que je le frappe quand il est à côté de l'écran. Pas au milieu. Sinon je suis mort. Parce que sinon, il se recharge. Oh là là, ce suspense. Insoutenable. Viens par là. Viens par là. Voilà. Aïe. Merde, je me suis fait faucher par la plateforme à pic. Dommage. J'y étais presque. J'y étais presque. Vous avez un anneau? Je veux un anneau. Oh. Pile dans le mou du derrière, comme le disait si bien Lyonnais. Là, je l'ai bien dans le mou, là. C'était savoureux. Allez, bang 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 bang. Et je me recoltine au truc de fou. Allez. Là, je suis prêt contre le boss. Allez, si je fais pas l'idiot, je le gère bien.
Merde, et puis j'y retourne, moi. Mon anneau, non, je perds tout, je panique. Mais non, je fais de la merde. Excusez-moi, mais là, je me suis déconcentré parce que j'ai pas accepté la première fois que j'ai perdu les anneaux. Allez, faut que j'ai de l'élan parce que sinon je m'en sors pas. Voilà, ouais, bon. C'est très bien que je vais faire. Allez, go. Concentration maximale, je peux le faire. Ah, je voulais voir si c'est dès le début. Faut toujours que je fasse une dinguerie. Bon, allez. Là, j'attends une fois. Là, il va faire chier quoi. J'ai pas récupéré le mien, je suis dans la merde. Tant pis, j'assume. J'ai déjà grillé mon joker. Oh merde! La dernière sphère qui pète et j'ai. Ah! De toute façon, les anneaux ils en donnent là. Bon, allez, ouais, c'est bon. Bon. Comme un professionnel. Ça c'est bon, il fait son truc. Merde, j'ai pas le temps de m'avancer. Pas mal, j'ai géré l'anneau en même temps. Sortir de son truc. Ça, non. Ah, il va trop vite. Il va trop vite. Merde. En fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris la dangerosité du boss dans ça, surtout sa deuxième phase. J'ai capté la première, mais pas la seconde. Là, il va y avoir les trucs qui vont s'élargir. Je saute pour être sûr de ne pas toucher. Tac, je place. Il monte son truc. Quand ça redescend, un rebond. Tac, je pars, je le frappe. Il me refait, voilà, les cartes de Google. Il me refait une. Ça remonte. Ça, c'est le même schéma pattern de chorégraphie. De chorégraphie du boss. Voilà. Donc il va aller avec. Oh, c'est bien, j'ai eu le temps même de frapper la colonne. Oh, là par contre j'ai fait une connerie. Ah! Ah, j'ai eu chaud. Non, je me fais intuber. Oh, j'ai récupéré l'anneau. De justesse, mais je l'ai récupéré. Ouais, mais là, non, il est au centre de l'écran, je suis mort. Il va me griller! Ah non. Ah, il y a une protection gentillette. D'accord. Oh, mais j'ai cru le salopard. Mais tant pis. J'ai gagné ma cartouche, mais. Attends, pas quand il fait le laser. Pas quand il fait le laser. Merde. Je finirai forcément par l'avoir. Ou pas. Hé hey, je suis descendu à 13 vies. Il me fait des dégâts, ce boss. Yeah.
Viens, pas si je te frappe dans la... Merde, j'ai pas le droit. Ouais, le jeu me l'interdit. En fait, il faudrait que je le frappe à chaque fois qu'il est à droite, parce que j'ai une chance de récupérer mon anneau. Si je me loupe. Voilà, là je me loupe, mais j'ai une phase d'invisibilité, je peux récupérer mon précieux. Je crois que je vais faire comme ça. Voilà, je perds la... Merde! Il m'a fait gicler, le salopard. Il m'a fait gicler. Ah, là j'ai réussi à échapper à son... Eh, excellent boss. Je me souvenais pas de ce boss. Merde! J'ai voulu trop me focaliser sur l'anneau alors que j'avais une chance de me mettre en sécurité. Ah, si près du but. Si près du but. Ah, j'ai sauté là où je saute pas habituellement. Bon, ça va, j'ai récupéré mon petit joker, mais... Je me suis déconcentré. J'ai envie de changer de tactique en fait. Ah si! Il peut me faire mal le salopard. Oh merde! Non. Là, je me suis fait casquer. Là. Je me suis fait casquer en toute beauté. Bon, bah, j'ai trouvé mon Némésis. Merdoum. Ça en viendrait presque vexant. Par ici, je vais répéter le même schéma. On est passé, tac. Bon moment, bon endroit, etc. C'est ça.
Bon, j'ai encore 3 minutes, ça devrait le faire. Faut pas que je lui mette 15 coups quand même. Oh la vache, il est costaud. Il l'a bichonné le docteur Boutique, son robot. Sacrément coriace. Et blindé nickel. Eh bah dis donc. Wouh, allez ouais, je veux même pas jongler avec le panneau. Je suis... KO. 100 points. Minable. 200. La suite. Merci pour le GG. Non, là je reconnais que j'en ai bavé. Voilà, c'était l'acte 2. C'est plus débile. Ah non! Au secours! Ceci a sonné comme un avertissement. Oui, je veux! Non, je veux! Comment on fait pour se propulser dans ce truc de fou? Non, mais propulse-moi! Ah d'accord, attends. Tac. Non, oh, je voulais le bonus! Oh merde! C'est le monde à l'envers! C'est pas perturbant du tout! Moi je l'ai bien là partout. Et je l'ai dans le cou. On va être poli. Changeons de strat. Mais. Voilà. J'ai appris de mes erreurs. Je sais plus où je vais là, mais j'y vais. Oh! Ah! Oula! Oh non! Oh mon dieu! J'avais espoir que ça rebondisse, mais non. Ah! Je me sens mieux! Ah! Pas tant que ça. Il va mourir lui. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais descendre de l'autre côté, mais apparemment on n'a pas le droit. Ok, j'ai compris. Je vais pas insister. Je ne vais pas insister. Ah oui. Ah non, il y a une protection. Parfois il est bon de se laisser tomber. Bonjour Nayone, j'espère que tu vas bien. Attends, je suis en train de flipper là parce que c'est la fin de Sonic & Knuckles et c'est balèze. What? Une armée à l'endroit. Oh! Ah! Ouch! C'est renversant. Ça va tranquille, merci Nayonet. Et bien que t'ailles bien, ça fait plaisir à lire. Ouais, bah, tout le monde va bien, visiblement, dans l'ensemble. C'est génial. Merde, je suis con. J'ai marché sur les pics comme si c'était une surface naturelle. Oh, c'est dégueulasse! Je me souvenais pas qu'il y avait des écrans piégés. Avec la tronche du docteur Boutique dedans. Oh, l'escroquerie complète. Thank you.
suis dans le casino, j'y reste, ça me détend. Oh, il a failli m'éjecter directement à la sortie en plus. C'est bon. Oui, c'est pété en couleur, oui, tu m'étonnes. Ah bah voilà. Bon, moi je ressors avec des anneaux et j'ai gagné une nappe. Ouf. Oh bah j'ai apprécié la pause. Ah oh. Ah oh. Merde. Pardon. Ah oh, c'est méchant de faire du coup. Surtout qu'il assure pas de service à présent, c'est scandaleux. Allez, comment je gère ce truc? Je peux pas le gérer en fait. Voilà. La zone des yeux morts. Oui, on appelle en fait Dead Egg, l'œuf de la mort, c'est la machine infernale du Docteur Boutique dans laquelle je me trouve. Tu vois, on a quitté la planète Terre, il est dans la stratosphère là, le Docteur Boutique. Il peut se barrer dans l'espace avec une machine folle qu'il a conçue. D'ailleurs, c'est surprenant que Sega ait pas pensé à un épisode dans l'espace avec le Docteur Boutique parce que. Il aurait pu s'attaquer à la Lune ou je sais pas quoi. Ils l'ont peut-être fait d'ailleurs, c'est une fois que la saga Sonic. Oh, attends, il y avait un truc. Non? Ah, j'étais persuadé qu'il y avait un dans le mur. Ah! Non, pas ça! Non! Je suis retombé au début. On y retourne. J'ai fait de la mouise. Je suis un ego. Je vais y arriver. Merci. Non, non, non. J'y retourne. Cochonnerie de saleté, cochonnerie de saleté. Ouais. Ouais. Oh. Je crois que j'ai un problème. Quoi? J'ai envie dans le bon sens. Ah. J'aille en bas ou pas? Non, non, je crois que je suis mort. Je suis mort. Je retombe hors de la machine dans la stratosphère. Voilà. Mais non, mais. Je voulais pas me frotter au. Mais c'est ridicule! Je suis déjà abusé. Eh oui, mesdames et messieurs, le joueur français est aujourd'hui déjà abusé. Ah, c'est un grand cauchemar. Merde. C'est une autre chose synchro. Il est très dur à boxer, sûr. Voilà. Je suis ravi d'avoir pu inverser la gravité. Merde. Non, là.
là, alors là, j'ai pas compris. Là, là, il y a un truc à faire, mais j'ai pas. Ou alors, il fallait que j'en saute dans le sens opposé, mais j'ai pas. J'ai pas du tout maîtrisé mon truc. Tu sais que ça me touche beaucoup, ce jeu, c'est mon premier jeu de DMGR que j'ai joué quand j'étais enfant. Alors je sais pas ce que vaut la version de DMGR, moi je joue à la version Mega Drive. La Genesis, de son nom américain. Et moi aussi ça me touche dans le sens que c'est mon jeu de mon adolescence. Ado, j'avais la chance d'avoir le 1, le 2 et le Sonic et Knuckles. J'ai jamais fait le 3, je l'ai découvert avec vous, voilà, je l'ai fait avant. Merde! C'est balèze! C'est ça qu'il fallait faire. Ah! C'est... Oh! C'est méchant. C'est méchant. Oh! Ça allait mal se finir. Quand j'ai vu ma distance, le truc, je savais que j'étais. Je sais que je pouvais me baisser, mais bon. Donc, je vais pas prendre le contrôle, c'est l'essentiel. Ah! Oh! Qu'est-ce qu'il me fait? Comment ça marche, ça? Ah oui! C'est rigolo. Là aussi, il faut retourner l'arme contre lui. C'est très con. C'est très con, mais c'est drôle. Merde, toi t'as. Oh, il s'en est mangé deux. Enfin, c'est la partie pique, quoi, la côté. Le côté roulette, ça lui fait rien. Ça lui fait rien. Si je fais ça, je crois qu'il se prend pas de dégâts. Ouais, il se prend rien. C'est côté pique qui lui fait bobo. Sauf qu'il faut y aller au bon moment.
C'est pas évident hein, de voilà, de considérer le délai. Bonjour Maître Doux, comment ça va? Ah, ça me fait plaisir que tu passes par un petit coup. Merde, loupé. Oh, heureusement que je suis un peu dans l'ascenseur, sinon il allait compter le pic dans la tronche. Oh, moi je vais très bien, merci d'être venu. C'est cool que t'aies la pêche. Ouais, je joue avec le feu. Bon, attends, je vais remettre dans le bon sens. Heureusement que j'ai 10 minutes pour la phase de combat. Y a pas suffi. Merde. Oh, il va m'en prendre combien Ah merci. Ouais ouais, fais ton malin Robotnik. Allez, barre-toi gros vilain. Docteur Boutique, non. Ah, c'est le grand final. Je sauvegarde. J'ai 8 vies. Ah, j'en ai beaucoup perdu. Allez, j'essaye de faire ça rapidement et puis on va voir Fun Fun. Oh non! Oh oh. Nous avons une soucis. Oh oh. Comment ça se joue? Je sais plus. Oh, il a les mains du robot. Ah oui, il faut lui péter les doigts, un par un. Merde. Il marche. Ah oui, il pose ses pattes. Et il pose les doigts. Eh oui, il est obligé, c'est vrai. Flamme. Flamme. Ça y est, ça me revient. Flamme. Et je flamme. Il a plus qu'une main. Flamme. Chaque blâme. Et le temps, je suis bouillonné, je sais. Ah, il a plus qu'un doigt. Ah, il faut se le mettre là où je pense. Ah, ah. Bon, la première phase, elle est gentillette. Bonjour, LJ. J'espère que toi aussi tu vas bien. Oh mon dieu. Oh oh. Ah, c'est chaud. Ah, c'est très très chaud. Non, Docteur Boutique, lâche-moi. Ah, il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi? Ça? Ah oui. Wow. Alors c'est jouable, mais c'est balèze. Merde, ah, j'ai plus de temps. C'est pas grave, j'ai encore des vies. Eh, hey, je m'en sors pas trop mal. Le final est plutôt gentil, elle. Ouais, ça va bien, c'est cool. Alors attendez. Je veux pas savoir. Où es-tu, infâme docteur boutique? Oh. Ça y est, c'est parti. Là. Là. Un pas, les doigts. Un pas, les doigts. Trop tôt. Waouh, j'ai fait me faire avoir. Je suis plus dans le rythme. En fait, le clairon m'a cassé au niveau du rythme. J'avais plus le son. Bam. Bam. Oh, les trois d'un coup. Trop bien. Il fait son rocker. Rock. Yeah. Let's rock. Mobile ça, le cher mobile, la nièce mobile. Allez, je passe une flamme et je frappe.
Merde, trop tard. Ah, je suis pas dans le rythme. Je suis pas dans le rythme alors que je peux l'être. Allez, viens, vilain. Tant qu'il a pas mis, voilà, tant qu'il a pas mis sa main, je... Allez. Ouais, faut pas que j'ai... Oh, bien, j'ai touché deux fois. Hop, l'autre main. L'imagination, elle est excellente. Allez, je peux le faire. Concentration. Maintenant. Voilà. Maintenant. C'est presque trop tard, j'ai chaud. Maintenant. Non. Bon, c'est presque trop tôt là, c'était l'inverse. Voilà, je l'ai eu. Wouh! L'infâme docteur Robotnik. Alors, t'es où, vilain? Viens par ici que je te botte les fesses. Vilain, viens ici. Ah! 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 J'ai failli tomber. Oh, viens ici, Robotnik. Monsieur Robotnik, alors, il est où ton SAV, voleur? Hein? Toutes ces machines. Tous ces animaux torturés, ces scandaleux. Et Tails, il est passé où dans le film? Hein, Tails? C'est ce qu'ils disaient dans le documentaire, ils ont raison. Là, c'est Sonic et Knuckles. Tails, tu sais pas pourquoi il a disparu dans le scénario, c'est vrai. Je pouvais pas me poser la question parce que j'avais pas Sonic 3 à l'époque. Mais c'est vrai qu'il y a une casse dans le scénario. Ah, le v'là. Ah, bah, fallait qu'on parle de l'eau pour qu'il revienne. Il a pris sa retraite, il a pris des vacances, en fait. Tu sais pas pourquoi. Eh bah, dis donc. Ça va, je suis pas trop en retard, je pourrais grignoter 5 minutes. Classe. Et donc, c'est pas la vraie fin. Il faut que je me démerde dans Sonic et Knuckles pour avoir les 7 émeraudes et devenir Sonic d'or. Et il paraît qu'il y a une vraie fin. J'ai vu quelques images dans le documentaire dont je vous parlais là. Merci pour les GG. Et j'ai halluciné. Alors que le jeu, je l'ai mal fini 15 fois, étant ado, merci Christella. Bah j'aurais hâte de découvrir avec vous prochainement la vraie fin. Faudra que je me coltine des émeraudes sans faute. Ça va être sport sur la sphère, ça se passe à ce moment là. Allez, musique, je me tais. Prépare-toi, Fun Fan.
comme dans les concerts, vous sortez les bonnes guerres. Voilà, là ils disent Sonic 3. Alors que moi, à mon époque, j'avais juste la cartouche Sonic et Knuckles. Ah bah oui, il peut se marrer, j'ai shippé aucune émeraude. Voilà, pour aller chercher les 7 sur les sphères. Ça va être pire que le toboggan dans le 2, je vais galérer, je vais. À me sortir par les trous de nez. Ça va me sortir par les trous de nez. Oh yeah. Zébleboire, Gedoin. Ah, bon, bah, FunFan a un petit pépin technique, ce qui fait que vous gagnez le droit de me voir en plein écran. Voilà. ce qui va me permettre de faire les remerciements. Alors, attends, d'ailleurs, il faut que je relance mon navigateur parce que sinon j'y verrai que Puik. Et puis autant moi aussi je me prépare à faire mon commentaire et à guider FunFan dans le jeu. J'ai mes deux fiches toujours. Une fiche de Solus et la plus longue à préparer, encore que je vous expliquerai tout à l'heure chez FunFan comment j'ai procédé. J'ai ma fiche de commentaire. Voilà, ça va être votre épisode commentaire, enfin commenté de la fin de la semaine. Et FunFan joue et moi je vous raconte des choses par-dessus. Le jeu, comment il a été créé, des anecdotes. Alors, en général, je m'en tiens à la fiche Wikipédia, mais en cherchant un peu, quand j'en ai le temps, je peux vous trouver des pépites d'informations sur le jeu. Et c'est ça qui est cool. Pourquoi je vois ma tronche encadrée? C'est parce que j'ai pas verrouillé mon, voilà, mon plan, ma scène. Donc, que me dit le... Déjà, pour être honnête, je devrais dire que je repasse en papotage, just chatting. Oui, bah je peux le faire comme ça, just chatting. Là, je peux le faire là, puis cliquer sur OK. Alors, merci à... Il s'est passé des trucs ce matin. Merci à Pedro et à Cyril. Tous deux ont fait acte de fidélité à la chaîne. Ça fait bien plaisir. Je crois que c'est Cyril qui m'avait dit qu'il était de Lorraine, si je ne me suis pas trompé. Je reverrai, pardon, je relirai de toute façon mon chat, je reverrai ma rediff pour... En message de FunFan1992. Je t'ai fait un appel vocal. Ah mon dieu! Ok, attends, je vais me connecter. Merci à Petit Seb Live qui m'a fait un relais de chaîne tout à l'heure. D'ailleurs, il doit être sur son propre canal, il a dû reprendre de son côté avec je sais pas quel jeu. Je pourrais pas dire. Tiens, je vais faire une... J'ai envie de faire une dédicace à... Juste avant, à Petit Seb Live. Il est adorable. Petit Seb Live. Ah, je peux pas le faire depuis mon logiciel. Oh là 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 là. Bref, tant pis. Tu m'as fait un appel vocal. Allez, bien fait pour ma tronche. J'ai qu'à apprendre à maîtriser mes trucs. Discord, où es-tu? Discord, tu es là. Dans l'écran numéro 14572. Oh, tout le monde qui a dit bonjour dans mon Discord. J'ai pas fait attention. Bonjour FunFan. Est-ce que FunFan m'entend? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ah, c'est bon, tu m'entends. Oui. Dis-moi tout. Oh, tout va bien. C'est bon, le petit pépin technique est réglé. J'ai trouvé un moyen d'y remédier, même si ça ne plaira pas à toute scène. Mais bon, j'ai trouvé un moyen. Ouais, bien. Il va aimer le concept. Bon, alors je peux lancer mon relais de chaîne. Oui, je lance mon stream. Exceptionnellement, je serai en gros plan, mais en noir et blanc. Maintenant, j'ai décidé que pour cette saison, je fais tous mes streams en noir et blanc. Enfin, la webcam, hein, pas les yeux. Oui, la webcam. Mais et puis ça me donne du charme et du charisme. Oh, tu es une scène qui dit que tu as trouvé ton mini short à paillettes. Oui, c'est la légende qui veut ça. Bon, je lance. Merdoum. Ouais, c'est lent. Je fais des bêtises, moi.
Ah, c'est vrai que les barres obliques, il ne veut pas les gérer dans mon logiciel. Je suis obligé de le faire directement dans le Comment? chat Twitch. Je peux pas passer par le logiciel tiers, c'est refusé. Donc du coup, je perds du temps, je suis Ah. désolé. Yep. Ah ouais, c'est ça que je dois plutôt lever. Voilà. Ouais, ça je peux le laisser. Ça c'est Attends, cool. j'arrive. Je ne désespère pas. Voilà. Ouais, comme ça c'est cool. Bon, en centimètres, il va automatiquement changer. Il va pas attendre le raid parce que sinon. Ouais, vas-y, fais la bascule. Comme ça, il est prêt. J'ai toujours pas accès à mon chat. Alors demain, je vais vous parler de Twitch, mais en mal. Oh. Oui, il y a des trucs qui vont pas, mais je vous expliquerai demain. Pas tout le même jour. Et puis, je te cache pas que j'ai envie de rester relax, j'ai pas envie de m'agacer. Mais il y a des choses qui vont pas avec Twitch et qui se dégradent. Alors, voilà, identifiant non valide. Ah bon? FunFan 1992, il connaît pas? Pourtant, je suis bien en stream, je me vois. Ah, coucou Twinsen. Voilà. Et non, on va pas faire le jeu en 10 minutes, je sais. Je te Pourquoi confirme, Twitch déconne de plus en plus. J'ai pas déjà eu un incident hier avec toi à la fin de ton direct. J'aurais dû avoir le relais de chaîne, suivre le relais de chaîne de Dragon Sky. Ça s'est jamais fait, mais en plus, j'ai eu un doute. Il me disait que tu étais toujours en direct, alors que l'image était figée. Et là, je fais slash raid FunFan 1992. Il me dit que tu es un identifiant non valide. Twinsen, c'est pas très grave que ma webcam soit à l'endroit ou à l'envers, donc le jeu lui est à l'endroit, c'est le La troisième principal. fut la bonne. Mais au moins je suis en noir et blanc, et ça c'est cool. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. On file chez FunFan pour votre épisode commenté pour un nouveau jeu d'aventure. À tout de suite. Moi, je vous retrouve de toute façon vers 18h-19h pour les bébilles. À tout à l'heure. On file chez FunFan. Ciao, ciao. Merci. Merci de votre fidélité.